que ce domaine, le domaine de la digitalisation et du numérique, comme beaucoup d'autres domaines, sont souvent stéréotypés pour les femmes. Dans le monde, il y a beaucoup de fonctions, beaucoup de métiers que seuls les hommes peuvent faire. Comme vous l'aurez constaté, je suis dans un milieu assez tech, un milieu qui n'est pas prédestiné aux femmes. Souvent quand j'en parle, les gens ont une attitude assez bizarre. Il y a même carrément des gens qui me disent « tu pourrais faire un truc peut-être dans l'année ». D'autres me disent carrément, me recommandent d'autres métiers parce qu'ils trouvent que j'ai des points forts dans ces supposés métiers. Moi personnellement, je me suis inscrite à Vitech parce que je me sentais à l'aise avec le code, avec le développement d'applications et de sites web. La représentante du groupe LEDTech qui a travaillé sur la thématique de solutions numériques de rappel par voice, SMS, de consultation prénatale et de planification familiale. Lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons été malheureux de constater que beaucoup de femmes au Bénin dans les zones reculées ne savaient pas ce que c'était que la planification familiale et ignoraient les risques à encourir lorsqu'on ratait ses rendez-vous de consultation prénatale. Chaque année, 1500 femmes meurent de cette ignorance. Mon équipe et moi avons donc décidé de mettre en place une plateforme 2 en 1 qui constitue un logiciel de stockage de bases de données jumelé à une application de rappel par message vocaux. Nous espérons que cette solution pourra pallier à ce problème. Je suis fière de mettre mes compétences en pratique dans ce domaine pour montrer que oui, les femmes peuvent oser. Les femmes peuvent s'intéresser à des domaines qui ne sont pas forcément réservés pour elles. Il y a quelques semaines, on a participé au Hub Tech Challenge organisé par Epitech et par ANEPA et Nabel Bénin. Durant cet événement, ce challenge qu'ils ont organisé, j'ai appris assez de choses et ça m'a permis de me challenger sur certains points et ça m'a également rendu fière de savoir en fait qu'il existe des organisations comme Enabel et qui soutiennent des femmes en fait dans le numérique. Toutes les femmes peuvent oser travailler dans tous les domaines qu'elles souhaitent et ne pas se baser sur les stéréotypes qui sont faits sur elles. J'ai d'abord un message pour les parents. Moi, on m'a élevée en ne me montrant pas qu'il existe un métier pour une femme ou un métier pour un homme. On m'a élevée en me montrant que je pouvais tout faire tant que j'étais passionnée par quelque chose donné. Alors je souhaite que tous les parents puissent montrer à leurs filles précisément qu'elles pourront tout faire si elles le veulent. Et je souhaite également dire aux filles qu'elles peuvent absolument tout faire.